pour utiliser au mieux le GL44. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Retirez la languette d'isolation du compartiment à pile. Réglez l'année à l'aide des touches plus et moins. Confirmez les réglages en appuyant sur la touche marche arrêt. Réglez le jour, le mois, les heures, les minutes, les signaux sonores et le rétroéclairage de la même manière. La mesure. Retirez le capuchon de l'autopiqueur. Introduisez une aiguille lancette stérile dans l'autopiqueur, puis fixez-la. Retirez l'élément de protection de la lancette. Replacez le capuchon sur l'autopiqueur. Réglez la profondeur de piqûre souhaitée en tournant la partie supérieure mobile du capuchon. Armez l'autopiqueur. Introduisez une bande de test dans l'appareil en présentant les contacts vers l'avant. L'appareil s'allume. Lorsque la main et le symbole de la goutte s'allument, l'appareil est prêt pour la mesure. Vos mains doivent être propres et sèches. Placez l'autopiqueur et appuyez sur le bouton de déclenchement. Remplissez complètement la forme de réception de goutte de sang. L'appareil commence à compter à rebours. La mesure s'affiche et peut être marquée. Un marquage ultérieur n'est plus possible. Pour « avant le repas », appuyez une fois sur la touche pomme. Pour « après le repas », appuyez deux fois sur la touche pomme. Pour « marquage général », appuyez trois fois sur la touche pomme. La valeur est enregistrée. Retirez le capuchon de l'autopiqueur. Piquez la pointe de l'aiguille doucement dans l'élément de protection retiré. Lorsque le bouton de déclenchement est enfoncé, tirez sur le dispositif de tension. La lancette utilisée se détache. Replacez le capuchon sur l'autopiqueur. Éteignez l'appareil. Vous pouvez consulter les valeurs isolées ou des valeurs moyennes. Une évaluation par logiciel est possible avec Boehringer Glucose Memory ou l'application Health Manager. Gardez la forme.